Allez, c'est parti pour la finale du championnat de Côte d'Or tête à tête qui va opposer les deux joueurs de la du même club, la Violette de Beaune, Royer Reynald et Damien Michel. Énoncé par le président du club de Fontaine-des-Dijon. L'avantage de Reynald. Là, c'est perdu pour. C'est perdu pour Damien. Commence bien avec la première main, 3.30 pour Damien Michel. Pour Reynald de Royer, pardon.
jouer pour une aide. Deuxième. La Bassini. Deux. Trois, deux. Ronald de Royer. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et je ferai un tirage au sort, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Un tirage au sort demain soir pour gagner un vélo, un mug et des casquettes collecteurs de Photopoulou. Ah, c'est joli. Ok.
ça doit être gagné. Ah, effectivement, c'est gagné. Un point pour Damien Michel, 3-3. Alors la finale féminine a commencé également et Chloé Milo mène 2-0 devant Chutin Lorraine. Là, il y a encore une pour ajouter. Et chez les féminines, et bien c'est Chloé Milo qui
2-0 devant Lorraine Château. À Grenoble, Grenade pour ajouter un deuxième point. Du coup, on est peut-être les deux. Hein. C'est devant. Et voilà, c'est fait. 3 points pour Damien. Michel, 6 à 5.
2 points pour Rénal Perroyer. Michel Toc, la carreau. Yeah.
tirer là, une boule derrière, si le bouchon part. D'accord. Je ne tire pas, il marque pas. Hein. Voilà, c'est fait, le bouchon est parti. Ah, alors là, on ne le voit pas. Mais. De plus, hein, pour l'année de février. Deux points. Deux points. Allez, 9 à 6 dans cette finale. Et pour l'instant, un petit avantage pour l'année de février. Féminine. La Chloé Vigneau mène 4 à 0 dans le Lorraine Chute. Pour le jeu de Grenelle va être un instant en force. Il y avait Michel qui partira. Ah ben les cours aussi. Il est fort également. Un point pour Reynald.
Effectivement, madame de la Châtire est beaucoup plus récente dans cette partie. C'est la gagne. Ah bah c'est bien, je fais un bouchon. Ah, ça peut être à son désavantage parce que la sorcelle et que le bouchon bouge un peu de la façon dont on peut croiser. Garde toujours le point. Ah, c'est carreau gagné. Hein. C'est carreau gagné pour Reynald. Vous voyez. Déjà le tir 2. Et un carreau, c'est le Graal. La boule. Ah bah c'est fait, bravo, hein. C'est fantastique. Il a bougé deux fois. Eh bien, c'est fantastique, voilà. La victoire de Reynald Royer, champion de Côte d'Or 2019. Après tellement je vous en la partie, je vous montre un peu la partie, la fin de la partie, la finale du boulot féminin. La caméra et on va suivre la fin de la partie. Score. Donc, équipe Chieton mène 6 à 0 devant l'équipe du milieu du drapeau. C'est le milieu qui mène 6 à 0. C'est ça.
joue depuis, ça a débuté comme les hommes, depuis 35 minutes. Lorraine, elle a commencé la partie 3-3, que quand j'ai tourné la veine d'avant, il me semble. Alors c'est très compliqué, les conditions sont compliquées, il fait froid, il est vivant. Ah, c'est pas grave.
Je pense que sur deux points. Il y en a deux. C'est ça pour Mio. C'est encore un peu court hein, pour la jouer. Mais comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il fait froid. C'est très compliqué. Seul.
Je lui ai dit,
1. Les anciens de l'Oman, les Kikoulés. Je vais y rendre une boule. Je vous le rajoute. C'est qu'on est lundi. Rentrer, hein. Je pense qu'il y en a trois. Oui, c'est ça. Eh bien, 10 à 1 pour l'équipe milieu. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à vous rendre sur la page Facebook Peter Pouvi. J'ai effectué un tirage au sort ce soir ou demain, si je ne rentre pas très tard, afin de vous faire gagner un polo Peter Pouvi, un mug et une casquette collector. C'est une nouvelle fois bien passée, hein, elle s'est fondue en brique. Et pour l'instant, pour moi, la meilleure de 4 ans. La meilleure de chutant. Ce sont des joueuses qui vont se reprendre, c'est obligé. Ils ont un peu de mal, mais bon. Il fait froid, il y a du vent, et c'est vrai que c'est compliqué.
balancer, ils n'y arrivent plus. Ouais, ils n'y arrivent plus dans cette finale. Je pense qu'elle retourne. C'est Julie qui va tirer la ligne, je pense. Voilà. C'est bon, pas en ah, elles y sont plus. C'est pas gagné, hein. Elle est déjà là. Elle est là. Elle est là, mais n'oublions pas que l'équipe Pio a 5 boules en main. Contre une à 2. À 2. Boules pour l'équipe de Beaumont. Je pense que là, il n'y a vraiment pas le choix, hein. Faut la mettre absolument. Et qu'il y a encore 5 boules en main. Et le score est à 10. Ça va devenir très très compliqué pour vraiment faire quelque chose de cette boule. Entrer dans le jeu. Voilà, c'est fait, c'est rentré. C'est bien joué. Si elle sort à la première. Non, oh, c'est vraiment court. C'est cool, une nouvelle fois. Elles ont du mal, hein, au tir. Elles ont vraiment du mal. Ah ben, si on enlève. Si on enlève celle-ci, hein, c'est toujours bon pour la gagner. Parce que c'est fini en roulant comme une boule. Allez, c'est quasi frappé gagné, hein. Eh ben, c'est encore cool. Thank you.
points, je pense. Non. Eh ben, un point pour l'équipe. Chez toi. Voilà, Lorraine qui surprend. Ah ben là, l'équipe meilleure avait l'occasion de gagner. Hein. J'espère qu'elle ne va pas le regretter. 5 boules en main. C'était quasi le tir à la gagne. Ah, ben j'ai bien tiré. Hein. On est parti. On aurait fait seulement ça la main d'avant. 1 sur 3. Mais c'était gagné.